Donc, séance d'aujourd'hui, ça va être un HIIT, donc High Intensity Interval Training. Sur le corps de séance, on va s'échauffer 5 minutes comme d'habitude avec du shadow, tout ça, des petits mouvements tranquilles. Travail des basiques aussi avec des mouvements explosifs, parce que c'est le thème de la séance, force explosive. Donc des pompes explosives, des squats. Et des abdos aussi. Donc échauffement, on va comme d'habitude, tranquillement, on commence avec du shadow. Donc même si tu fais pas de sport de combat, je replace ça, même si tu fais pas de sport de combat, t'as moyen de le faire. Donc comme d'habitude, là, le but c'est pas de faire de la technique ou quoi, c'est de s'échauffer. On commence avec les bras, pareil, un maximum d'amplitude. On déverrouille tranquille les articulations. Et on se tient un peu, pareil, chauffer les jambes. On combine les deux, jambes et bras, pendant 5 minutes à peu près. Avec les jambes, rotation intérieure-extérieure. Des rotations de buste. De plus en plus de vitesse. Plus en plus de force dans les frappes, au fur et à mesure qu'on s'échauffe. Le but c'est de monter un petit peu le cardio, monter la température corporelle et bien s'échauffer toutes articulations, corps en entier. Ok, après donc le shadow, on va faire un peu de squat en amplitude, donc le poids sur les talons et on descend le plus bas possible. Si tu descends pas en full squat, c'est pas grave, descends le plus bas possible. Tout en gardant bien les genoux vers l'extérieur, talons appuient sur le sol et on se redresse tranquillement. Donc on se redresse complètement, on pousse le bassin vers l'avant, arrivé en haut. Et on va faire ça une paire de fois pour bien chauffer les jambes. Ok, on reprend un petit peu de shadow. Encore un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de puissance dans les frappes. On garde le ventre serré, gainé entièrement. Petite montée de genoux. Encore une fois, des rotations internes, externes. Encore un petit peu plus de vitesse. Donc comme j'ai dit, même si tu fais pas de sport de combat, que tes gestes sont pas hyper pro, on va dire, c'est pas grave, hein. Le but c'est seulement de s'échauffer avec ça. Donc même si on fait des gestes un peu brouillons, c'est pas grave. Et puis on va pouvoir passer donc sur la deuxième partie de séance où on va travailler donc les basiques, comme je le disais juste avant. Avec des squats, des pompes et des abdos, mais le tout en explosif. On va faire 5 pompes explosives, 5 squat jump et 10 Yuri sit-up pour les abdos. Le but c'est pas de se flinguer là, c'est de produire un maximum de vitesse dessus, donc même si tu fais moins de 5 répétitions, c'est pas grave. Une fois qu'on a enchaîné ces 3 exercices là, on va prendre 1 minute de récup. Je vais programmer le timer. 1 minute de récup pour bien récupérer, faire un effort efficace derrière. Et on va faire ce petit circuit là, 3 fois en tout. Donc c'est parti pour les pompes, pense bien à te mettre dans une position correcte. Donc plie des coudes toujours vers l'avant. Quand tu descends, tu fléchis ton bras, ton coude il est serré sur ton corps. Et surtout tu peux voir les coudes qui partent sur les côtés, tu vas te flinguer les épaules. Et sur les pompes, bah, tu peux poser les genoux si jamais. Donc là, 5 pompes explosives, on va poser le torse au sol à chaque fois, relâcher un peu les bras et envoyer un maximum de vitesse sur la montée pour décoller les pommes de main tranquillement. Donc 5 répétitions. Donc on pose le buste. Bien sur la montée pour te donner un maximum de force. Bien.
bien gainé, bien stable. Donc 5, pas plus, hein, explosivité. Vous gardez de la vitesse, donc il n'y a pas beaucoup de répétition. Deuxième mouvement, donc toujours sur explosivité, des squat jumps. 5 aussi, pareil, le but c'est pas d'enchaîner les reps, de se flinguer. C'est d'envoyer un maximum de puissance et de détente. Donc c'est parti, 5. Donc tu vois la descente, tranquille, on la gère. Et par contre, dès qu'on commence à monter, on souffle et on envoie le plus de puissance possible. Et donc, troisième mouvement sur les abdos, toujours en explosif. Yui sit-up, donc tu gardes le bas du dos collé au tapis. Et plus rapidement possible, tu viens croiser, surélever ton buste et toucher le pied. Et ça fait 10. Donc là, plus ou moins une minute de récup. Et on repasse donc sur le début avec les pompes explosives. Tu replaces bien tes mains, pose le buste. Donc deuxième, on passe sur les squat jumps. 5 aussi. Et les Yuri sit-up. 10 reps. Et on récupère une minute. Après cette minute là, donc on le refait une dernière fois, troisième et dernière. Donc sur la dernière partie, comme je disais, ce sera un circuit de HIIT avec trois mouvements. Je détaillerai les mouvements avant qu'on commence le circuit. Il y aura un mouvement de marche animale, un mouvement d'abdos et des burpees. Et le HIIT, il va se faire en 10-10, donc 10 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. On enchaîne deux fois ce circuit de 3, non-stop. Ensuite, une minute de récup. Et pareil, on va faire 3 fois. Donc, troisième et dernière sur le travail des basiques. On repasse sur les pompes. Les squats, 5 aussi. Et les abdos. Est-ce que ça va toujours? On va récupérer un peu, voir les mouvements du 8. On va pouvoir commencer. Je vous laisse un petit peu le temps pour terminer la série. Donc le premier mouvement, comme j'avais dit, donc sur le 8, mouvement de marche animale, le caméléon. Donc on va avoir une jambe derrière, donc les appuis en décalé. Et en fait, il y a un petit rebond avant de faire un pas. Ok, donc c'est à chaque déplacement se prend deux fois. Il y a un mouvement de ressort et t'avances. Donc c'est une marche qui est asymétrique. Tu déplaces le bras et la jambe en opposé à chaque fois. Tu gardes une position stable des épaules, bien omoplate, épaules serrées vers l'arrière. Un maximum les coudes collés au corps. Et puis il va forcément bien gainer, tu contractes tous les muscles de tes jambes, tes fessiers, les abdos pour rester un maximum parallèle au sol et éviter tout ce qui est mouvement de bassin sur les côtés. Deuxième mouvement, c'est des burpees. Plusieurs variations, je vais aller de l'option la plus facile à la plus difficile. Donc comme tu veux, soit tu poses les mains un pied après l'autre, tu reviens, tu reposes bien tes pieds à plat et le petit saut pour remonter. Soit tu balances tes deux pieds en même temps avec le petit saut. Soit tu balances tes deux pieds en même temps, tu descends en pompe, tu remontes et tu sautes. Donc trois variations pour les burpees. Et donc le troisième mouvement, ça va être des sit-ups, un peu comme les Yuri sit-ups qu'on a vu avant. Sauf que cette fois-ci, tu vas plus toucher tes pieds, tu cherches simplement à
redresser ton buste et avoir le dos bien droit quand t'es levé. Donc ces trois mouvements là, les sit-ups c'est plus pour de la récup active que pour vraiment du travail. Par contre il va falloir bombarder sur les deux premières. Donc en 10-10, 10 secondes d'effort et 10 secondes de récupération entre et après chaque exercice. Ça marche? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi si on peut y aller. Et donc on enchaîne à chaque fois deux fois le circuit. Donc caméléon, burpees, sit-up, caméléon, burpees, sit-up. Une minute de récup. Et on répète le cycle. Donc prépare-toi aussi une jambe derrière, une devant. Donc ta main, main et pied, rapprochés ici. Et donc forcément ça va inverser la position quand tu vas être de l'autre côté. Avec un temps de rebond. Alors au début, te prends pas trop la tête avec ça. Limite, tu peux même enlever le petit rebond sur le caméléon au début, le temps de juste apprendre la synchronisation, la coordination entre ton bas du corps et ton haut du corps, et de choper le gainage et le mouvement tout simplement. Donc te prends pas trop la tête, à partir du moment où je lance les 10 secondes, on y va et on bombarde. Ok, donc en place, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, ça fait déjà 10. Donc on récupère 10 secondes. Et les 10 prochaines, c'est des burpees. Donc choisis l'option que tu veux, limite commence par les plus durs. Et si ça devient chaud, tu facilites. Fin des 10 secondes. 10 secondes de récup, on passe sur les sit-up. Donc bas du dos toujours bien collé au sol. C'est parti. Stop. On repasse sur le caméléon. Donc mets-toi en position, il reste 2. C'est parti. Ok, on relâche, on récupère, burpees juste après, c'est parti. On relâche, sit-up derrière, et après on a notre minute de récup. C'est parti. Et on relâche. Une minute. Et donc ce circuit, on va le faire trois fois. Je vais mettre le timer, ok. Donc on se remet en place. Position de jambe derrière, jambe devant. Et c'est parti. On essaie au maximum de garder les coudes dirigés vers l'arrière. Pareil sur les burpees, si tu choisis l'option avec les pompes. Et les coudes collés au corps. On relâche, face au sit-up. Dans 3. C'est parti. Et on relâche. Une minute. Et on attaque le dernier circuit. Donc sur les burpees, faites bien gaffe à ramener les pieds à plat. Sur le côté de vos mains, plus proche. Les sit-ups, on essaie d'être explosif aussi sur la montée. Bien soufflé. Le bas du dos, toujours collé sur le sol.
et on déroule, on enroule sur les montées et les descentes. Tranquillement pour pas se flinguer la colonne sur le sol. Il reste 10 secondes. Et on est reparti pour le dernier. Et on relâche. Donc là, on a terminé la séance à proprement parler. On va terminer tranquillement en cooldown avec des petits abdos. Tranquillement, sans pression. Donc là, on va être dans la sensation. C'est pas un nombre de. On n'a pas un objectif de répétition ou quoi que ce soit. Il faut juste chercher à s'améliorer sur ce mouvement-là. Je l'avais déjà mis sur la séance précédente. Donc. T'es posé au sol, les jambes tendues, tu verrouilles tes genoux, pointe de pied vers toi, tu poses tes mains vers l'avant, plus tu vas les éloigner, plus tu vas les éloigner de toi, plus ça va être compliqué. Donc essaye à mi-distance, on va dire, à côté de tes cuisses. Et si tu arrives à chaque fois, tu vas chercher un petit peu plus loin avec les doigts. Donc le but, ça va être de lever les deux jambes en même temps, de garder la contraction 2-3 secondes en haut, au plus proche de ton corps. Et de gérer la descente pour reposer les pieds. Pareil, tu souffles quand les jambes montent et tu inspires une fois que tu relâches l'effort. Donc c'est parti. Et on relâche tranquillement. Toujours les jambes tendues. Tu maîtrises le mouvement du début à la fin. Pas besoin d'en faire 15. T'as vu, ça pique un peu. C'est force de contraction, les abdos de compression plutôt. Travail en compression. C'est rare de voir ce travail-là. Mais c'est hyper important pour les abdos. On va y revenir juste après. Là, on va se mettre en gainage. Et on va passer en Spider-Man. Donc, on va passer sur les avant-bras et ramener les genoux sur les épaules. Avec une petite flexion de buste pour aller chercher le genou avec l'épaule. Donc tu places bien en gainage, t'écartes un petit peu les pieds pour être bien stable et tranquillement tu ramènes ton genou à ton épaule. Donc entre 6 et 10 répétitions au total. Et pareil, tu ne mets pas la pression, c'est dans la sensation. Cherche à bien serrer le bide. À trouver la contraction, le ressenti au niveau des obliques, des abdos et bien maîtriser ton mouvement. Évite de bouger le bassin au maximum, c'est vraiment le haut de ton buste qui pivote légèrement. On va récupérer un petit peu, relâcher les abdos. Est-ce que vous arrivez à bien les recruter. Et donc on repasse sur le premier, deuxième et dernière fois pour les deux. Donc pareil, jambes bien tendues. Et on relâche. Donc gainage, Spider-Man. Et on relâche. On va jusqu'au bout de l'effort. C'est juste pour redescendre en pression. Ok. Bah, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour. Ce sera de l'animal training. Là, on était plus sur du HIIT. Mercredi prochain, animal training. N'hésitez pas à checker aussi sur mon site les programmes que je propose. Et puis si vous voulez du coaching perso, pareil, n'hésite pas à m'envoyer un message, on en discute et puis on voit ce qu'on peut faire. Allez, salut à vous, à bientôt, merci encore.